Cette terrible phrase du Premier ministre caractérise la nature profondément violente du régime. La femme que vous êtes, célébrée pour avoir été nommée chef du gouvernement, n'a pas le droit d'offrir au monde l'image qu'une femme peut être pire qu'un homme dans la gouvernance. Vous valez bien mieux que cela, je suppose. La lutte que les femmes mènent pour avoir les mêmes opportunités que les hommes ne mérite pas d'être ainsi tirée en arrière par ce que vous adoptez comme gouvernance. Affirmez haut et fort en assumant que vous commencez à faire peur aux Togolais, cela indique que vous ne méritez pas d'incarner la fonction de Premier ministre. Non, Madame la chef du gouvernement, on ne dirige pas un peuple en lui faisant peur. Non, Madame la chef du gouvernement, même au nom de la lutte contre la pandémie de Covid-19, vous n'avez pas le droit de terroriser la population. Non, Madame la chef du gouvernement, vous ne pouvez pas ériger la peur en un mode de gouvernance. Les Togolais attendent bien mieux de vous. Offrez-leur des opportunités de travail, protégez-les contre les incertitudes de l'avenir, garantissez-leur la sécurité, mais définitivement, ne commencez pas à leur faire peur.